Dans l'actualité ce soir, une quarantaine de partis politiques sommet de se mettre en règle vis-à-vis des lois régissant les partis et formations politiques au Burkina. Ces partis sont priés de renouveler leurs instances dirigeantes et se conformer à leurs propres textes relatifs à leur fonctionnement. Le ministère en charge de l'administration territoriale donne jusqu'au 31 août prochain pour respecter l'injonction. Pourquoi une telle mesure? Quelles sont les sanctions encourues par les partis concernés? Les réponses avec Mokhtar Ouédraogo et Aboubakar Sagnon. À ce jour, le Burkina Faso compte très exactement 145 partis politiques et 25 regroupements d'indépendants. Mais tous ne sont pas en règle vis-à-vis de l'article 19 de la loi portant charte des partis et formations politiques au Burkina. Le gouvernement veut mettre de l'ordre dans le milieu. Le Conseil des ministres du 8 juillet dernier a décidé d'effectuer une opération d'assainissement du fichier sur les partis et formations politiques. Cela a résulté d'un rapport et qui a révélé que sur les 145 partis et formations politiques, il y avait 42 qui ne respectaient pas les statuts parce que pour l'essentiel, les instances statutaires et qu'ils se sont données dans leur statut et dans leur règlement intérieur n'étaient pas régulièrement tenues. Cela va d'un an à 6 ans pour certains partis et formations politiques. Un avertissement a été adressé aux 42 partis concernés. Ils ont jusqu'au 31 août pour se conformer à la loi sous peine de sanctions. Les sanctions qui peuvent éventuellement être prises par le ministre en charge des libertés publiques vont de l'avertissement à la dissolution. Mais ça va de façon progressive. On peut procéder à l'avertissement et ensuite à la suspension et éventuellement à la dissolution des partis et formations politiques concernés. Dans les prochaines semaines, la direction des libertés publiques et des affaires politiques va procéder à la vérification des sièges des partis. Question de s'assurer que ceux-ci disposent d'un siège fonctionnel conformément à la loi.